parle de la République du Congo, pour vous qui me suivez sur TikTok, ce même Denis Sassou Nguesso, ce qui se passe chez nous, c'est tellement grave. Il a ses agents qui partent à la morgue de Brazzaville, à la morgue de Brazzaville, tout comme à la morgue de Pointe-Noire, capitale économique. Il a ses agents qui vont aborder les familles pour qu'on puisse, pour que ces familles-là puissent vendre les corps, pour qu'on puisse leur vendre des corps. L'achat des cadavres en République du Congo. C'est connu de tout le monde. Parce que chez nous, en République du Congo, Sassou Nguesso est dans les pratiques diaboliques et sataniques. Donc, à la morgue, il y a des gens qui viennent avec beaucoup d'argent. Ils proposent aux familles, lesquelles qui veulent vendre leurs parents décédés. Lesquelles qui veulent vendre leurs parents décédés. 5 millions, 6 millions. Chez nous, en République du Congo. Chez nous, en République du Congo, Denis Sassou Nguesso, les suppôts de Denis Sassou Nguesso partent à la morgue de Brazzaville, tout comme à la morgue de Pointe-Noire, tard la nuit pour aller coucher avec des cadavres. Pour aller coucher avec des cadavres. Voilà les pratiques de ce qui se passe en République du Congo. Le Denis Sassou Nguesso, dont vous entendez le nom et que vous ne connaissez pas. La République du Congo, dont vous entendez la République du Congo, mais vous ne connaissez pas comment le peuple congolais souffre et comment il fait souffrir le peuple congolais. Donc il y a des gens qui vont coucher avec des cadavres à la morgue. Vous qui êtes sur TikTok, comme je sais que j'ai bon nombre d'abonnés qui ne sont pas dans la République du Congo, c'est pour ça que je parle en français, pour que ceux qui ne comprennent pas le Lingala et le Kikongo puissent comprendre. Ce petit pays-là, la République du Congo, voilà les pratiques de Denis Sassou Nguesso. Parce que lui-même, il couche avec des cadavres. C'est connu. Il boit le sang humain. C'est connu. Et son ancien marabout, Tandja. J'allais faire lecture. Je l'ai là, je dois l'avoir dans d'autres appareils là. J'allais lire le message de témoignage de Tandja, son ancien marabout du Niger, qui avait rompu le contrat avec Sassou Nguesso parce qu'il n'était pas d'accord. Sassou voulait le pouvoir à vie. Et Tandja lui avait dit, mais le pouvoir à vie va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang va couler. Il avait refusé de faire ce travail-là. Il était reparti chez lui, dans son pays d'origine, le Niger. Et il avait témoigné sur les pratiques de Denis Sassou Nguesso, donc sur la domination. Comment dominer une population. Donc l'histoire, chez nous, en République du Congo, l'histoire d'aller dans les châteaux d'eau pour déverser le caca de Sassou Nguesso, pour déverser les urines de Sassou Nguesso, pour dominer le peuple. Pour que le peuple ne puisse pas se révolter contre Denis Sassou Nguesso. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. C'est la vérité.